aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais oui, vous le savez sûrement, c'est le début de la semaine créative, donc la deuxième que l'on fait avec Stella de la chaîne By Créa Stella. Tous les liens seront en description si vous ne connaissez pas encore sa chaîne. Nous sommes trop contentes d'enfin vous la présenter, ça fait plus d'un mois qu'on la prépare. En fait, dès que la première a été finie, nous sommes lancés déjà sur la deuxième, à en discuter, à commencer à préparer, à avoir les idées, à filmer, etc. Donc vraiment, on avait trop hâte de vous partager tout ça. Donc, comme la première semaine créative, vous allez retrouver chaque jour en alternance un tutoriel sur ma chaîne et celle de Stella à 14h, voilà, tous les jours. Et donc, nous allons commencer sur la chaîne de Stella, puis sur la mienne, puis sur la chaîne de Stella, comme la première semaine créative, et ça jusqu'au samedi 4 juillet. Si c'est pas tout avec cette semaine créative, comme nous vous l'avons promis, il va y avoir un concours. Ta-ta-da ! Et oui, nous avons décidé de vous offrir un lot. Donc là, il n'y a pas de partenariat ou quoi, nous avons envie de vous offrir un lot de notre part en fait. Donc on a conçu toutes les deux un lot différent. Pareil, vous pouvez participer aux deux concours, il n'y a pas de problème. Donc les conditions sont très simples, comme d'habitude, il suffit de vous abonner à nos deux chaînes, donc la chaîne de Créa Stella et la mienne. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram, bien sûr c'est facultatif car je comprends que certaines personnes n'ont pas Instagram, ce n'est pas vital, donc il n'y a pas de souci. Bien sûr nous vérifierons pour YouTube parce qu'en fait pour nous c'est important de récompenser quelqu'un qui nous suit, et de plus pour récompenser encore quelqu'un qui nous suit encore plus assidûment, l'autre condition c'est de liker et commenter toutes nos vidéos durant cette semaine créative. La dernière fois vous avez vraiment joué le jeu et c'était trop cool, donc on avait toujours trop hâte de répondre à tous vos petits commentaires, donc on espère que vous serez encore aussi partants. Et la dernière condition, c'est juste une condition normale, c'est tout simplement d'avoir soit l'accord parentel, soit d'être majeur, étant donné que si vous gagnez, on va vous demander votre adresse postale pour vous envoyer le lot, et c'est quand même une information privée, donc vous devez avoir l'autorisation de vos parents. Et voilà, c'est tout pour les conditions. Ah si, j'ai oublié de préciser parce que la dernière fois on m'avait demandé, les personnes qui peuvent participer, c'est les personnes habitant en France ou c'est les dom-toms, ou alors en Suisse ou en Belgique. Pourquoi on peut pas ouvrir plus à l'international puisque les frais de port coûtent super cher, et il faut comprendre que nous n'avons pas forcément les moyens de vous envoyer des lots partout dans le monde, mais j'espère qu'un jour je pourrai le faire. Voilà, donc je suis désolée pour ceux qui habitent de l'autre côté de l'Atlantique, genre au Canada, etc. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas participer pour le concours, mais vous pouvez quand même nous suivre dans nos vidéos et les commenter, etc. Ça n'empêche en rien. Maintenant qu'on a passé le stade blabla et conditions, je vais vous partager ce que vous attendez le plus, c'est-à-dire le lot. Donc c'est parti, je vous présente tout ce que j'ai mis dans mon lot. Donc tous les produits sont emballés dans une petite poche en organza comme ça, bleue avec des petits cœurs, voilà, tous les produits sont à l'intérieur, et dans cette petite poche il y a une création que j'avais très envie de vous offrir en plus de ce lot, voilà, avec ma carte de visite, et c'est un petit porte-clés avec une petite tranche de tartine de pain. Et donc la première chose c'est des rubans, donc il y a 1 mètre de chaque couleur, ça fait 4 mètres en tout, une petite fiole de paillettes violettes. Il y a aussi deux petites fioles comme ceci et un gros sachet avec plein de breloques argentées. Vraiment, je vous ai fait un gros pêle-mêle avec plein de breloques différentes. Il y a aussi deux cannes fruits puisque à mon sens, c'est celle qu'on utilise le plus. Il y a aussi une petite planche d'autocollant transparent pour vos créations en pâte polymère que j'avais très envie de vous mettre. Il y a aussi des petites perles étoiles multicolores qui proviennent de la boutique de Créa Stella, donc de Stella, sur un grand marché. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et il y a aussi ce petit sachet de tranches de canne qui provient aussi de sa boutique, donc c'est des cannes fruits, voilà. Donc voilà pour ce lot, il y a aussi pour finir un gros sachet de perles, vraiment il y a plein de perles différentes de toutes les couleurs, de toutes les tailles, car j'avais très envie de vous en mettre dans ce lot puisque j'en utilise beaucoup dans les montages de cette semaine créative, et il y a aussi une grande breloque fée argentée. Donc voilà tout le lot que vous pouvez gagner en participant à ce concours, j'espère qu'il vous fait plaisir, en tout cas moi je suis trop heureuse de vous offrir tout ça. J'espère que ce lot vous fait plaisir et vous donne envie de participer. Comme d'habitude, il y a un formulaire à remplir dans la barre d'infos avec quelques informations, votre adresse mail, etc. pour que lors du tirage au sort, on puisse vous contacter. Ça paraît logique, mais voilà. On sera les gagnantes, on les contactera lundi 6 juillet, un truc comme ça. Voilà, donc je tenais à le dire. Et le concours ferme samedi 4 à minuit, forcément, car la semaine créative sera terminée. Donc voilà, je pense que je n'ai oublié aucune information. Sur ce, moi j'ai trop hâte de vous retrouver pour mon premier tutoriel. Mais ne loupez pas celui de Stella lundi à 14h. Nous avons trop hâte de vous partager tout ça et de vous donner plein d'idées créatives. Sur ce, prenez soin de vous et nous on se retrouve donc mardi pour la prochaine vidéo. Bye !